Dag. Qu'il est cité dans le Mishnah Bora, dans Siman Taf Tzadik Dalet. Alors que la minag lomar akdemut. והסכימו כמה אחרונים לומר זה קודם שמתחיל הכהן לברך על התורה. וכן אמינה כי היום בכמה קהילות. אכן יציב פתגם שאומרים ביום שני בעת קריאת ההפטרה, נתפשת באיזה מקומות לאומרו אחר פסוק ראשון של ההפטרה. יש כבר כיסית מנהג, היא לאקזיסט פה של הספרדים. Ni Agdamut ni Yatsif Pitgam. Donc Agdamut et Yatsif Pitgam sont deux piyutim. Un, c'est un piyut qui en a l'habitude de les réciter les premiers jours du Shavuot avant Kriyat HaTorah. Et le deuxième, il commence avec les mots Yatsif Pitgam. Et on les récite les deuxièmes jours du Shavuot avant qu'on récite l'Aftara. En Mishnah Bora, il amène ici qu'en vérité, il faut préférer de dire cette piyut akdamut avant que le Kohen il monte à la Torah. C'est-à-dire, quand il monte, avant qu'il a fait la bracha, on va dire akdamut. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il y avait des minagim qui n'étaient pas comme ça. Et là, les minagim étaient que le Kohen il fait la bracha. Et avant de commencer la kriya, on a récité les minag. On a resté les piyut akdemut. Alors il amène en bas dans le Shahar Atsion qui Rabbi Yaakov emdim besiduro tzavach ki kruchia ala osi nefech mize. Rabbi Yaakov emdim dans le Sidur, il crie contre ceux qui font le contraire, c'est-à-dire contre ceux qui font le piyut après la bracha de Kohen. Parce que dès que le Kohen a fait sa bracha, on doit commencer tout de suite la kriya. Mais il dit le Yatsiv Pidgam, le Piyut numéro 2, Piyut Aftara, qui ont dit le deuxième jour, il y a dans quelques endroits qu'ils ont pris l'habitude de le dire après qu'on a commencé le premier pasouk de l'Aftara. C'est-à-dire que la personne fait la bracha, sur Bachar Benimim Tovim, on commence le premier pasouk de l'Aftara, et après on commence à réciter le Piyut Yatsiv Pidgam. באמת לכאורה זה פלא. כמו ספק, המנהג פרעיל הייתה אקספטה, ורסיתם פיוט, אחרי לברכה, נמסי למשנה בועל די כיפו פלפר, מובו בין כי יבא, יאי כזונפה, וכמו אסק שפוסיב כדירון להפטרה, או מילד להפטרה, וסערתה פה רסיתה un piyut. Donc ça demande bien sûr une explication. On a la curiosité, on doit avoir la curiosité d'essayer de comprendre les shor et shaminag, sur quoi c'est basé. Pas seulement ça, c'est que la chose qui est encore plus intéressante, c'est que la majorité des piyutim qui en connaît, ils sont de la Shona Kodesh. On n'a pas tellement l'habitude de voir des piyutim en araméen. Il y a quelques-uns qui sont pénétrés dans les slichot. Et justement, sur ces piyutim en araméen qui se trouvent dans les slichot, les poskim y amènent, c'est cité dans le Mishnah Bora Belchot Rosh Hashanah, qu'il ne faut pas les dire beyachid, il faut les dire seulement betzibur. Tout ce qui est les piyutim en araméen. Donc les piyutim en araméen, c'est rare. Et on n'a pas trouvé un autre jour de placer un piyut en araméen, seulement à Shavuot. Et les deux jours. Un jour, c'est la kriya, l'autre jour, c'est l'aftara. Et en plus, on a placé les piyut dans la kriya et dans l'aftara, ou à côté de la kriya, à côté de l'aftara. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme d'habitude? Il y en a certains qui font les piyutim dans la Hazara, il y en a d'autres qui font les piyutim après la Hazara, mais piyutim avec Kriyat HaTorah, on ne les voit pas.
Où est-ce que ça existe? Oh, j'ai une réflexion là-dessus, je vais la partager avec vous. Dans le Mishnah Boura, toujours dans le même siman, Taf Tzadik Dalet, il amène l'enseignement très connu des Zohar Akadosh et de l'Arizal. Ita Bazohar, c'est marqué dans les Zohar, chez Chassidim Arishonim, Ayu Neorim Kol Alayla, Veoskim Batora. Le minag de Chassidim Arishonim, l'été de rester réveillé toute la nuit des Shavuot et d'étudier la Torah. וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן. למנהג את התבלי של המז'וריטה דה לומדים, בפר קומסה. והייתה בשם האריזה, דה סש, שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר, והיה עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו. Quelqu'un qui l'a réveillé toute la nuit et qui l'étudie toute la nuit, il est promis qu'il va terminer l'année, c'est-à-dire qu'il va arriver jusqu'à Shavuot prochain, et durant l'année, il n'aura pas de dégâts. Voilà la promesse d'Arizal. Et quelle est la raison pour laquelle on est réveillé toute la nuit? Katam magen Avraham al pipshuto. Chez Israël, Ayu Yeshelim Kol Alayla. La veille du matin Torah, les Israël, ils ont monté tous sur leur lit et ils sont dormis bien comme il faut. Vehutzra Hakudish Borchou la Irotam le Kabel la Torah. Et le matin, il ne s'est pas levé tout seul. Où était le réveil? Je ne sais pas. En tout cas, il ne s'est pas levé tout seul. Et Akadosh Baruch Hu, il devait les réveiller. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il les a réveillés? Comme il y a marqué dans le pasouk, « Vayi kolot ou brakim ». Donc il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait des bruits. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il les a réveillés. Nous, les kach, anotzrichim, les takens. C'est pour ça, nous, on doit corriger cela. Et comment est-ce qu'on corrige ceci? En restant réveillé toute la nuit. C'est comme ça qu'on arrive à corriger la faute. Alors bien sûr, quand on lit ça, on est quand même assez gêné. Mais Israël se trouve ici, après 40 jours, 49 jours, pardon, de Sfirat HaOmer. Tous les Sfarim HaKadoshim, ils n'arrêtent pas de nous expliquer que les 49 jours qui en comptent sont des jours dans lesquels on se purifie. On monte chaque jour un niveau, voix, chesed, tiferet, etc., etc. On voit ça dans tous les sidurim, on a dit tous les jours, « Ana bekoach, lam natser binginot mizmorshim ». Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et après tout ça, après les 49 jours, les peuples élus, les seuls peuples qui, à Kadosh Baruch Hu, il a trouvé chez eux les vraies envies de recevoir la Torah, après qu'il a fait le tour du monde et il a essayé de convaincre toutes les nations qu'ils n'ont pas accepté, il a trouvé Baruch Hashem, hein, qui a accepté, et pas seulement accepté. C'est des gens qui disaient, Naase Venishma. Et la Gemara nous dit, Naase Venishma, ça a tellement impressionné Akadosh Baruch Hu, qu'il a dit « Migila le banai raz ze shemalachi asharet mishtam shimbo » Qui sait qu'il a découvert à mes enfants cet secret qui est en vérité, a priori, un brevet qui appartient à qui? Aux anges. C'est un brevet enregistré. Ce sont les anges qui disent « Naase Venishma ». Alors comment ça se fait qu'Ibn Israël, ils ont découvert le Naase Venishma? C'est le deuxième brevet angélique. Il y a un autre, c'est Baruch Shem Kvod Malchuto Lolam Vaed, qui est aussi un brevet des anges, qui nous on se sert, parce que mon cher Abenou, d'après le Midrash, il a amené de là-haut. Quand il était là-haut, il a entendu ça, donc il s'est dit, ça vaut le coup de les imiter. Donc d'un côté,
On voit bien qu'il y a Kadosh Baruch Hu, qui Kivirol, il était impressionné, ému, je ne sais pas comment il faut dire ça par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais en tout cas, il a appris ça très très bien, qu'Ibnei Israël, ils sont arrivés à dire quoi, Naseh V'Nishma. Et de l'autre côté, on lit ici, dans le Mogen Avraham, שישראל היו ישנים כל הלילה, והוא צריך הקודש בו כולה, יראו אותם לקבל התורה. כמו סדבי שוז עם ארשון סום. פוס כסף עושי. סנקחו היב. סלר כבני ישראל יספתה דיתו הפרישי. שיופי פרופיטי דה... Un machal, j'ai entendu dire de Rabbi Tzrok Ezrahi, il a bien dit, donc ça va le coup de les répéter, vous pourrez le dire aussi aux gens, parce que ça, chacun peut comprendre. Les deux aveugles, quel paramassa il peut avoir un aveugle? Les mondiaux. Donc Tovi Mashna et Mina Echad, les deux aveugles, ils s'est associés, et ils marchent ensemble. On voit des personnes aveugles. Ça fait mal au cœur. Donc on leur donne. Déjà, quand on voit un aveugle, ça nous fait quelque chose. Mais quand on voit deux, alors leur calcul commercial était bon. Vous savez, quand les gens ils se trouvent des années dans les métiers, avec le temps, ils développent du sens. C'est-à-dire que quand ils marchent dans la rue, ils sont en train de passer à côté de maisons. Alors, ils sentent dans quelle maison ça vaut le coup de frapper, dans quelle maison ça vaut pas le coup de frapper. Alors, un jour, ils sont marchés comme ça dans la rue et ils palpent, vous savez, les grilles, les portails. Et un qui dit à l'autre, moi je sens que dans cette maison, on va faire une bonne affaire. Viens, on sent. L'autre idée, c'est une idée. Vous savez, les aveugles, ils ont des sens particuliers. Dès qu'ils sont, ils ont sonné, et il y a un huissier qui sort, il commence à leur parler. Et il commence à leur poser des questions. Depuis quand vous êtes aveugle, comment est-ce que vous êtes devenu aveugle, c'est de la naissance, pas de la naissance. Bref, fin des discussions, les deux, ils attendent déjà qu'il sort ce qu'il faut sortir. Et l'huissier, il dit, j'ai pour vous une bonne nouvelle. Moi, je suis un grand ophtalmon, je vous reviens. Et d'après les questions que je vous ai posées, d'après les réponses, je peux vous opérer. Et vous pouvez redevenir voyant. Vous entendez? Ils sont venus pour chercher quelques euros. Et il y a un type qui vient et qui leur dit, je peux vous guérir. Alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Un des deux, il a dit, c'est gentil à vous, mais je suis désolé, j'ai déjà l'habitude, j'ai un rythme de vie, je suis comme ça depuis des années, et ça ne me dit pas de changer. J'ai ma parmassa, mes soudérés, c'est bon, j'ai fait chaque jour la caisse, bien quand il faut. Je ne me cherche pas des aventures, maintenant tu vas faire de moi un voyant, je dois apprendre tout, à lire, à écrire, personne n'aura pitié de moi, si je ne vais pas trouver un travail correct, je vais mourir de faim. Ah, comment je peux m'engager là-dedans? Je ne peux pas. Mais Kitsu, il a trouvé des arguments qui ne sont pas bêtes. Ils ne sont vraiment pas bêtes. Et dans son raisonnement, il se trouve qu'il vaut mieux de ne pas toucher. On ne sait jamais. Il a déjà un certain âge, il ne peut pas s'habituer. Bref. Il vient, le deuxième, il dit... Moi, je ne discute même pas. Maintenant, amène-moi tout de suite à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il est comparable à ce plaisir de pouvoir se retrouver quelqu'un de normal, d'avoir des yeux ouverts? Qui peut comprendre même qu'est-ce que ça veut dire d'être un aveugle? Si vous voulez, vous pouvez faire un essai de garder les yeux fermés pendant une demi-heure, d'essayer de marcher comme ça dans la rue, vous allez comprendre un tout petit peu qu'est-ce que c'est. Clara Dvarim,
Un, il était opéré, l'autre, il n'était pas opéré. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est qui a raison? C'est lui qui a été opéré. Alors, en vérité, cette machal, c'est une machal à Umot Haolam ou Bnei Israël. Umot Haolam, qui n'ont pas accepté la Torah, c'est l'aveugle numéro un qui préfère de rester aveugle. Et Bnei Israël, qui ont accepté la Torah, sont les gens intelligents, qui ont compris qui, même si ça va leur obliger de faire des formations et des études, de changer des habitudes, mais rien vaut le plaisir d'avoir les yeux ouverts. Avoir les yeux ouverts, c'est le plus important. Malheureusement, on peut être voyant et de rien voir aussi. On peut avoir des yeux et ne pas voir les choses correctement. Des fois, on a besoin de corrections. Sinon, les ophtalmos, ils ne vont pas voir de la parnassa. Mais, en principe, on peut dire en gros, dans les grandes lignes, mais Israël, ils ont bien accepté la Torah. Tzaram shel dvarim, kamouvan, qui quand on apprend ça, on doit avoir des mal à comprendre cette Israël a eu Yeshinim kol alayla vehutzrach akudush bochu lehaïr otam le kab de la Torah. Le bochu, il devait la réveiller. Comment est-ce qu'on comprend ça? En fait, aujourd'hui, la soudia des Yvamot de Shniot l'Arayot. Shniot l'Arayot, c'est le système secondaire des adultères de toutes sortes qui était instauré par les Chachamim. Et donc, la Gemara a marqué, d'après Rabbi Lazar, Rabbi Yehuda, toutes les deïdes disent que c'est lui qui a mis en place le système secondaire des Arayot. Était Shlomo Amelech. Ça marqué dans la Gemara. Avedama Meacha. Vizen, c'est vraiment Chafalef. Vizen, vechiker, vetiken, meshalim arbe. Alors, Izen. Chiker v'tiken meshalim arbe, et a marqué ensuite, v'yoter me'im abni hizaher, c'est la suite des pasouk là-bas, izen, chiker, tiken meshalim arbe, v'yoter me'im abni hizaher. Alors, v'yoter me'im abni hizaher, c'est-à-dire, mon fils, fais attention. Et fais attention, c'est sur quoi? Sur l'issouri de Rabbanan. Et l'issouri de Rabbanan sur lequel il parle ici, sur l'arayot. Ça dit la Gemara. Comment est-ce qu'on voit ici arayot? Je ne sais pas. C'est ça qui a marqué ici. Alors, tout ça, il est marqué que Rade Amar, Perekcheni, de Eruvin, Bishash, et Tiken, Shlomo, Netilati, Adain, de Eruvin, Yatsa, Batkol, de Amra. Bni, Chacham, Libecha, Ismach, Libi, Gamani. Donc, tout ça, il est marqué que pourquoi la Gemara, elle a parlé là-bas seulement de Takanat, Eruvin, ou Netilat Yadayim qui était Mutaken Shlomo. Et pourquoi la Gemara n'a pas parlé là-bas justement des Shniot, l'Arayot? Sot le Metaretz, Shema Achar Bat Kol Tikna. C'est-à-dire, Shlomo il a fait en premier Eruvin ou Netilat Yadayim. Après, il y a cette voix divine qui sortait des cieux, il a dit, Bnim Chacham Libecha Ismach Libi Gamani. Ah, Shlomo il était tellement content qu'il a trouvé nécessaire de faire quoi? De faire la takana de Shniot l'Arayot. Cette batkol lui a encouragé. Ça lui a montré qu'il est sur les bonnes voies. Et donc, il a enfoncé et il a
décréter tous les shniot d'arayot. Ma bilazar, kodem sheba shlomo aita Torah doma l'kfifa she'en la osnaim. Ad sheba shlomo l'asa la osnaim. Avant Shlomo HaMelech, la Torah ressemblait au quoi? Un kfifa, un sac, un panier, une caisse, une charge. Shen la osnaim, qui n'a pas d'aisance. Shlomo, il est venu, il a donné l'aisance. Voilà. Marqué ici dans le Ben Yehuda, Katouv, Ozen Shomat, Ra'in Roa. Shlomo, il nous a donné le Ozen Shomat, il nous a donné l'oreille. Ra'in Roa, on n'a pas besoin de Shlomo. On n'est pas des aveugles, on est bien d'accord. On ouvre les yeux, on voit. Mais Shlomo HaMelech, il nous a donné le sens de Ozen Shomat. Il nous a rassasié les oreilles. Ça c'est Bechinat Izen. Izen nous a fait apprendre à écouter. Ceux qui ont des ondes. Oui. On dit toujours, on n'est pas sur la même longueur des ondes. Alors, Shlomo HaMelech, il nous a appris les ondes qu'il faut. Les bons mégahertz. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est l'Ozen Shomat? Alors il dit, le Ben Yehuda, Ozen Shomat, c'est Torah Shebalpe. Ein Roa, c'est Torah Shebichtav. Ben Roa, on regarde dans les Sefer Torah, donc on voit les écritures de Torah Shebichtav. Le Torah Shebalpe, il faut Ozen Shomat, il faut écouter. Rambam il explique pourquoi ben mettre la Torah Shebalpe était d'une Balpe. Alors Rambam il dit car rien ne peut remplacer l'écoute de l'étude de la bouche d'un rave. Alors il dit, Divrei Torah, c'est Melitza Tashir, c'est comme un poésie. Quand on écoute une poésie, ça dépend toujours de l'air, comment est-ce qu'on les prononce, où est-ce qu'on met les points, où est-ce qu'on met les virgules, où est-ce qu'on met les points d'interrogation, quand est-ce qu'on lève la voix, quand est-ce qu'on baisse la voix. Tout ça, ça fait partie de la compréhension qui ne peut jamais être remplacée par quoi? Par un texte en écrit. Alors, quand il s'agit de la loi de la Torah Shebalpé, dit Rambam, c'est vital qu'il se reste quoi? Qu'il se reste Torah Shebalpé. Parce que ça dépend des Shmiat à Ozen, de Ozen Shomat. La réussite dans Torah Shebalpé, c'est une dérivée de la bonne écoute. Donc, bien sûr, ça s'appelle Torah Shebalpé, parce qu'elle commence par l'épée. C'est la bouche des raves qui nous enseigne la Torah. Mais pas moins important que cela, c'est que la personne qui l'écoute ne soit pas sourd. Même qu'une seule remarque, qu'il n'est pas sourd, qu'il soit appareil, qu'il soit bien réglé sur les ondes qu'il faut. Et des fois, il y a des personnes qui captent à 100%. Des fois, il y a des personnes qui captent à 90%. Et des fois, on peut capter à une seule pourcent. Ça dépend. Alors, Shlomo HaMelech, Izen, Vechiker, Vetiken, Meshalim, Arbei. Ma perouche, Vetiken, Meshalim, Arbei. Vetiken, Meshalim, Arbei, perouche, que le Mashal, il est toujours là. Des exemples qu'on donne, c'est toujours là pour nous expliquer un sujet. Shlomo HaMelech, il avait la capacité de prendre les sujets les plus compliqués,
les plus profonds, les plus fins, et de les transmettre même aux gens qui n'étaient pas forcément à son niveau, ou qui n'étaient forcément pas à son niveau, parce que Shlomo Aleph était un chacham, Nicolas Adam. Donc, il s'est servi d'un système dans lequel il y avait Meshalim Arbe, c'est-à-dire qu'il y a Mashal Aleph qui l'explique Mashal Bet, Mashal Bet qui l'explique Mashal Gimel, et c'est marqué là-bas dans le passouk qu'il est arrivé des fois un nombre incroyable qu'il est combien ? Shloshet Alafim Mashal. C'est-à-dire qu'il nous a fait passer par 3000 étapes intellectuelles jusqu'il est arrivé à nous amener à comprendre les points de l'enseignement. Ça, c'est Izen. Izen Perusha, qui nous a créé les Koach Ha'azana, cette Koach d'écouter. Il nous a placé petit à petit les appareils nécessaires dans les oreilles pour qu'on soit capable d'écouter son Torah chez Balbé. Vous avez les Koach particulières de Shlomo Amel. Atkan, les paroles de Ben Yehuda ici avec un tout petit peu de rajout de mon côté. Mais l'idée est à lui, c'est bien. Dans les Drushim de Beta Levi, Beta Levi parle. המדרש הידוע מהיכן זכה משה לקרני העוד מוקר לפן בקיטיסה קרן אור פני משה זה כל מיני לימייר פה דה קורן לימייר קורן שמיקה אלם שלו המתוקה משה רבינו ילעיד ללימייר ויסקי ויאם סת לימייר marqué dans le Midrash, très connu, comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a réécrit les Luchot. Il s'agit des deuxièmes Luchot. Venishtayer Dio Bakulmus. Il a resté de l'encre dans les stylos, les roseaux, je ne sais pas. Donc c'est un stylo encre. Il restait de l'encre là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu avec les restes de l'encre? Il fallait laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a pris l'encre et il l'a mis sur la tête de Moshe. Il n'y a pas de sur Moshe avant. Et grâce à cette encre, la tête de Moshe a commencé à illuminer. Ça va être dans le Midrash. Qui pchute, il va dire Dvarim Betelim. Pas sûr que c'est Dvarim Betelim. C'est interdit même de croire une seule seconde qu'il s'agit de l'encre et des stylos et d'un problème qu'il a à Kadosh Baruch Hu avec de l'encre qui reste et qu'il n'a pas quoi faire avec, donc il va pas trouver une autre solution quoi faire avec ça, sauf de le nettoyer sur la tête de Moshe Rabbeinu, franchement. Je veux dire, si vous allez vous trouver, vous, avec un problème pareil de l'encre, vous ne savez pas quoi faire, vous allez mettre sur la tête d'une personne qui est devant vous. Et quand je ne viens pas sur la tête de Moshe Rabbeinu. Alors, comme on voit, cette parole de Midrash, il nous oblige de l'expliquer autrement. Pas autrement, de l'expliquer comme il faut. Alors, il y a là-bas, dans le Beit HaLevi, tout un drouche là-dessus. Je suis mes 4 séances. Et reviens tôt, il faut être mes 4 séances. Qui t'aura drouche ou kacha? Là, il y a un Yerushalmi. Alors, dans le Yerushalmi, il y a un fourrage. Qui, sur les louchot, que Moshe Rabbeinu l'a amené au Bnei Israël, il y avait la sœur Tadibrot comme nous on les connaît. Mais à part la sœur Tadibrot, il y avait sur les louchot de l'Yerushalmi kol digduke shel Torah. Y compris d'ivrei sofrim. C'est-à-dire que sur les louchot eux-mêmes, il se trouvait
on écrite, je veux bien dire, on écrite tous les livres échauffés. On s'est marqué dans les rouges. C'est dans les rouges Mishkalim d'Aftet Zayin Amud Bet. Parenthèse, j'ai vu une fois dans le Drashot Hatzlach, un sefer qui s'appelle Drashot Hatzlach. Drashot qu'il a fait le Baal Hatzlach, mon David Yuda. C'était édité il n'y a pas longtemps. Pro-édité. Et dans le Drashot Hatzlach, dans la Drasha 38, il y a une phrase qui, quand on les lit comme ça, sans connaître les Roushan et dans ce cas-là, on a des mal à accepter. Tzlach Kotev Sham, la son kazé. On doit croire chaque chose qui est marquée dans la Gemara comme on croit sur ta divorce. Peut-être c'est difficile à comprendre ce qu'il veut dire si on ne connaît pas cet Yerushalmi dans ce calife. À partir du moment qu'on découvre dans les Yerushalmi que tous les livres s'offrent étaient écrits réellement sur Luchot HaBrit, alors peut-être qu'il n'y a plus de différence entre Aseret HaDibrot et la dernière sugya des Yamot. Ça revient au même. À quoi Katouv à la Luchot. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Comment ça se fait que ça a été transformé, Be'etzem, au quoi, au Divrei Sofrim. Qui nous appelle ça Divrei Sofrim. Comment ça se fait que ça est devenu Torah Shebalpeh. Parce qu'a priori, d'après les Yerushalmim, c'est Torah Shebichtav. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors ça, c'est justement le point des drouches de Beit Halel. Le point des drouches de Beit Halel, il est kacha. À la base, Matan Torah fait prévu d'être comme ça. Pour acheter l'uchot, sur les jetés l'uchot, on va écrire à Seret HaDibrot, le kol ha-tirikoulo. Là, il nous, tous les rabbonins, tous les divrei sofrim, tout ce qui nous appelle divrei sofrim, ils seront divrei l'uchot. Les Shisha Chalakim, Mishnah Berurah, vont se trouver aussi sur les Luchot. Les Septembre de Chazonich, ils vont aussi se trouver sur les Luchot. À quoi les gens? C'était prévu comme ça. Une fois qu'ils venaient Israël, ils ont fauté. Ils ont fait la voie dehors. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, ils descendent avec les Luchot. Et là-bas, il y a marqué que les Luchot sont devenus très très lourdes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Katouv, parach haktav. Parach haktav. Les écritures qui étaient sur la Luchot, ils sont survolés, ils sont disparus. Il n'y avait plus des écritures. Alors, dit le Beit Halel, il amène là-dessus des midrashim, c'est dans le Drush Yutret, dans le 18e Drush. Dit le Beit Halel, que tout ce qui était Torah Shebaalpé a disparu. Mais cette fois-ci pour toujours. Et dans les deuxièmes Luchot, il y avait un retour. Mais ce retour était un retour partiel. C'était seulement le retour de quoi? De Aseret HaDibrot. Et rien de plus. Et tout le reste, il ne se trouvait plus sur les Luchot. Parach. Parach, ça veut dire voler. Ça vole maintenant. Oui, ça vole dans l'air. Ce sont les ondes. Au moment de Matan Torah, il y a marqué « V'chol la'am ro'im et ha'kolot ». Pérouchó sur « V'chol la'am ro'im et ha'kolot » qui au moment de Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il était en train de réciter la Aseret HaDibrot, qui était écrit sur les Luchot. Tout le monde était à un niveau dans lequel il pouvait voir les kolot. Rotsé l'omar, que la Torah chez Baalpé était pour tout le monde de prinat quoi? De Prinat Torah Shebichtav. Ça, c'était la particularité de Matan Torah. V'chol ha'am ro'im et ha'kolot. Ça que le Ben Yehuda, il appelait ici Aïn Ro'a ve'ozen Shumat. Le Aïn Ro'a ve'ozen Shumat était quoi? Aïn Ro'a ve'ozen Shumat était que le Prinat de Roïm et Akolot
nous fait comprendre ça qui a marqué Betsem dans les gros jardins du Forage, qui, à l'époque, au premier matin de Torah, au Luchot Rishonot, il n'y avait aucune différence entre Torah Shebichtav et Torah Shebalpé. Alors, d'un côté, c'est extraordinaire. De l'autre côté, c'est très mauvais. Je m'explique. D'un côté, c'est extraordinaire. Parce que le fait qu'il y en a une clarté de 100%, et on n'a aucun doute, et aucune difficulté, et tout est tranché, et tout est mis en écrit, avec un niveau de clarté qui fait que le Ozen Shomad devient quoi? Un roi. Et il nous donne des facilités énormes. C'est évident que ça nous donne des facilités énormes. Pourquoi c'est quand même pas bien? C'est pas bien parce qu'à partir du moment que c'est comme ça, il n'y a plus de travail. Et quand il n'y a plus de travail, c'est très mauvais. Et la preuve. Mais Israël, après Matan Torah, ils ont entendu gentiment l'arrivée de Moshe Rabbeinu. Je n'ai rien à faire. Il n'y a pas de travail. Ni Daf Yomi, et ni Amoud Yomi, et même pas Mishnah Yomit. Cloum. Nous, alors au bout des 39 jours, qu'est-ce que ça a donné? On sait que ça a donné. Alors, Chachamim le disent à leur façon, il y a un Yerushalmi qui dit Il malay mitna Torah hatucha lo ita la regel amida. C'est-à-dire, si la Torah était donnée vraiment à une façon bien coupée, tranchée, ça c'est hatucha, tout est taillé, alors lo ita la regel amida, c'est-à-dire on ne pourrait pas tenir. On ne pourrait pas tenir, c'est-à-dire qu'on aurait fait quelques bêtises, pratiquement. C'est-à-dire, le fait qu'il y a une facilité comme ça, fait sorte que l'absence de travail, l'absence de fatigue, amène en fin de compte vers les catastrophes. Quand quelqu'un, il n'a pas devant lui quelque chose sur lequel il a besoin de lutter, d'accord, de travailler, alors ça va se terminer mal. On voit par exemple qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent facilement, comme tout le monde sait, ça les amène des catastrophes. Je ne suis pas contre gagner de l'argent, mais quand ils viennent trop facilement, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, de même, quand Akadosh Baruch Hu, il a prévu de donner la Torah au Bnei Israël. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le Cheshbonot. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est trompé? Ce n'est pas du tout la question. Là, on parle des questions de Yedia ou Vechira, et je n'ai pas envie de parler de ça du tout. Oui. Mais disons, la première calcul d'Akadosh Baruch Hu était de donner la Torah au Bnei Israël de la façon la plus claire possible. Il n'y aura pas du tout tout ce qu'on connaît, nous, comme ça qu'on appelle Amal la Torah, la fatigue de la Torah. Tout soit mis en écrit, en clair, entre les lignes, c'est comme ça qu'il y a marqué là-bas dans les Yerushalmi, mais il y aura des écritures. Cet essai d'Akadosh Baruch Hu était condamné à l'échec. Elle a amené juste une seule chose, un aigle. Voilà. Moshe Rabbeinu l'a monté là-haut. Et il a refait des tefillot. Les tefillot, ils ont dit Arbaim Yom, il a marqué Arbaim Laila. Il faut bien faire attention sur Arbaim Yom, Arbaim Laila. Quel était le souhait des tefillotes de Moshe Rabbeinu? Le souhait des tefillotes de Moshe Rabbeinu était qu'Akadosh Baruch Hu va redonner le Luchot au Bnei Israël. Et dans la tête de Moshe Rabbeinu, le rêve de Moshe Rabbeinu, il était quoi? Que les Luchot Hashniyot vont être les mêmes comme quoi? Comme Luchot Arishonot. Ça, c'était le rêve de Moshe Rabbeinu. Il a voulu rétablir la situation. Alors, tout le monde connaît du vrai Chazal, qui, dans les 40 jours que Moshe Rabbeinu s'est trouvé sur la montagne la première fois,
Ce n'était pas des jours de Tfilot. C'était des jours dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il a enseigné la Torah. Donc c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a enseigné la Torah Shebechtav Bayom. La Torah Shebealpe Balayla. C'est de là qu'il vient, ça que les Mekoubalim nous disent toujours, que la nuit, il ne faut pas étudier Torah Shebechtav, la nuit, il faut étudier Torah Shebealpe. La Torah Shebechtav, Zman Limouda Bayom. C'est ça. Alors, quand on parle de Moshe qu'il a remonté au Mont Sinaï, et il fait des tfilotes, et ces tfilotes, ils sont faits, et c'est bien précisé, Arbaim Yom ve Arbaim Laila, 40 jours et 40 nuits. Mais Roussio, qui Moshe Rabbeinu, il prie durant 40 jours et 40 nuits, qui justement, les jours et les nuits, ils vont faire quoi? Hein? Retsoni Lomar, qui Moshe Rabbeinu, il demande qu'il n'y aura pas de différence entre Luchot Rishonot et Luchot Shniot. Parce que Moshe Rabbeinu, il nous soupçonne, et il n'a pas tort à 100%, il faut le dire, hein, qu'il n'y aura pas justement le courage et la force physique et intellectuelle, et surtout pas l'envie de se mettre à bosser et d'apprendre un chasse dans lequel il va se trouver des 1704 d'appui. Justement. Il n'est pas du tout sûr qu'ici la Torah Shebaalpé sera exposée comme elle est exposée devant nous, même si on aura toutes les nouvelles éditions des livres qu'il y a aujourd'hui, très jolie chasse, très jolie tour, et Rambam Frankel et tout ce que vous voulez. Mon cher Abbé, il n'était pas convaincu du tout qu'on deviendra tous des Talmidei Chachamim et Lomdei Torah. Donc, disons, mon cher Abbé, il met sur les balances les pour et les contre, et il juge qu'il lui semble qu'il vaut mieux quoi, qu'il vaut mieux que la Torah Shebaalpé redeviendra Kémin Torah Shebechtav. Kémin Torah Shebechtav. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, il décide que les Luchot Shniot seront donnés à un édition miniature. C'est-à-dire, sur les Luchot, il y aura une écriture qui ne va pas contenir aussi quoi la Torah Shebaalpé. La Torah Shebaalpé, cette fois-ci, devient une vraie Torah Shebaalpé. Elle nécessite 48 dvarim de Torah Neknedvé. Énorme. Hein? On doit travailler sur 48 choses pour Bémet acquérir la Torah. Très dur. Très très bien. Il faut mamesh un effort énorme pour apprendre la Torah. Et celui qui essaye de se raconter qu'il pourra apprendre la Torah sans effort, il se trompe. Pas surtout, il se trompe. Toutes les facilités qu'on peut avoir, les dessins et les tableaux et les images et tout, rien pourra remplacer la fatigue de l'étude. Après tout, les moyens modernes de faciliter la tâche, il n'y a rien qui peut remplacer la fatigue de l'étude lui-même. Point. Point final à faire. Donc, mon cher Abbé, il a pensé comme ça, mais Akadosh Baruch Hu, il a pensé autrement. Ça, c'est le sud à Dieu chez Nishtayer. Cette encre sur laquelle on parle qu'il a resté dans le stylo, c'est la Torah Shebaalpé qui, cette fois-ci, n'a pas été mise en écrite ou sur les Luchot. Et Akadosh Baruch Hu, il prend cette encre et il la met Berosho chez le Moshe. Ma pour Berosho, c'est pas Al Rosho, c'est Berosho. Alors, Beit Halevi, il dit là-dessus quelque chose qui est très simple et très profond à la fois. Pouzoukara, Torah Shebechtav, l'écrite sur les Luchot, sur le Tadibot, sur les parchemins de la Torah Shebechtav. Torah Shebaalpé, elle est écrite dans la tête de la personne. La Perushu, que la personne devient à ce moment-là Kémin Sefer Torah Chai. Dans une autre dimension sur les enseignements de la Gemara dans Makot, Kama Tipshai
Ane Bavlai, de Kaime Kame Sefer Torah, de lo Kaime Mikame de Gavra Rabba. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces Babyloniens qui s'élèvent devant un Sefer Torah et ils ne se lèvent pas devant un vrai Talmud Chacham. Pas un Gavra Rabba, ça doit être quand même un vrai Talmud Chacham. Donc, chacun peut se déguiser, hein. C'est pas sûr. Alors, quand les Babyloniens, ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Talmud Chacham, il n'a pas compris que le corps de Talmud Chacham devient aussi quoi? Sefer Torah. Sefer Torah, je vais le perdre, Sefer Torah. C'est l'encre qui restait de quoi? De Luchot. Dans le Chatam Sofer, il y a marqué. Le Hukme Girsa est marqué dans la Gemara, Siyata Dishmaya. Les Hukmegirs Asiyat Adishmaya, ma perouche, pour que quelqu'un arrive à pénétrer un sujet dans la Soudia de la Gemara et d'arriver de là jusqu'à la décision à la chic, vrai, jusqu'à la bonne décision, il faut Siyat Adishmaya. Il faut une aide d'Hachem. Tratan Sofer, il va beaucoup plus loin, il dit, c'est marqué dans le Midrash, sur le Pasuk, va tachet alai kapcha. Pasuk dans Tehilim. Patachet alai kapcha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis sa main sur la dame Marie-Jeune. Midrash, il dit là-dessus, dans les Yalkut là-bas, il a marqué, Patachet alai kapcha, perushu, qu'il a neshama, était placé dans le corps de la dame Marie-Jeune, elle a tout de suite voulu repartir. Elle est très mal là-dedans. Qu'est-ce qu'elle a la neshama de faire avec le corps? Donc dès qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il a placé cette neshama dans le corps d'Adam Arishon, la neshama, elle se sent là-dedans tellement mal. Imaginez-vous, le sabre et l'ose, j'ai dit, qui vous chaussette, chaussures, pointure 42. On met sur les pieds, pointure 35. Ah, je ne dis pas 25, 35. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est comme souffrance pour les pieds? Déjà, quand il y a une demi-pointure qui n'est pas bonne, on est très très mal, hein. Très très mal. Mais imaginez-vous quand il y a plusieurs. Si ça vous arrive une fois, vous comprenez de quoi je parle. Alors, comprenez-vous que cette image que je vous donne maintenant, elle est rien du tout à côté de la souffrance de cette neshama dans cette corps. Pour la neshama, le corps, c'est quelque chose qui est tellement contradictoire à elle, que dès qu'il était placé là-dedans, il voulait sortir. Dit le Midrash, Fatashet alai kapecha. Kadosh Baruch Hu, il met sa main sur la tête d'Adam et il empêche la neshama de sortir. Il dit là-dessus, le Chatam Sofer, la Torah, elle est très mal à l'aise ici. Donc, ce monde-ci, la Torah, elle ne se sent pas du tout à sa place. Ce monde-ci, c'est Gashmiut. Les Gashmiut, elle n'a rien à faire avec la Torah. Maral dit toujours, la Torah est Sechel Eloki. Donc la Torah, c'est Beprinat Neshama, et le Olam Hazeh, il est Beprinat Gouf. Et quand c'est qu'un, quand la Torah, elle doit être placée dans la tête de quelqu'un. Et à ce moment-là, le Hukme Girsa, ça veut dire pour qui l'étude va rester où? Ici, c'est Siyata d'Ishmaïa. On a besoin d'aide de Hachem pour que la Torah va rester dans la tête de la personne. Et là, j'ai du mal à parler de ça parce que je suis très loin de là. Il faut le dire, hein. Jusqu'à là, on a parlé encore des têtes et des corps qui sont propres. Mais imaginez-vous qu'il a tête, il est sale. On a plein de saletés dans la tête. Et la Torah, elle doit se trouver dans le cerveau avec toutes les saletés qu'il y a déjà là-dedans. Imaginez-vous qu'est-ce qu'ils sont la Torah, jusqu'à tel point elle a l'envie de se sauver. Et dans le Rambam, il y a marqué que la chose qui il peut sauver la personne au maximum de quoi? De harayot, c'est l'étude de la Torah. Tout ce qui est des boches, l'opposé de la Kedusha, on peut lutter contre grâce au limud de la Torah. Comme ça dit Rambam. Donc il faut comprendre que c'est aussi dans le sens contraire. C'est le Netziv qui parle de ça beaucoup. Que quand la tête il est pleine, malheureusement, de mauvaises pensées,
Alors, il n'y a pas quelque chose qui est loin de la Torah de la tête plus que ça. On compte. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Il fait ça qu'on dit toujours dans la bracha d'Asher Yatzar. Rofé chol basar, ou mafli lasot. Mazé mafli lasot, katou baramo, simen zain. Je me chaber agash mi le rouch ni. Zé mafli lasot. J'appelle. On comprend maintenant la profondeur de la bracha qu'on fait tous les jours. Baruch ata Hashem, noten à Torah. Lama noten, on présente. En vérité, la Torah, elle cherche à faire à chaque moment quoi de s'échapper. Un Kadosh Baruch Hu, il la garde. C'est si nous t'aimons à Torah. C'est Netina Chadasha à chaque moment. Tout le temps. Chaque fois quand j'ouvre les livres, je risque de trouver en face de moi quoi? Une page blanche. Rien. Et là, à ce moment-là, je trouve quand même que la Torah, elle est toujours là. Elle n'est pas effacée. Puis le ploïm, ça c'est ma fli. לעשות. פלא, שמחבר ערוך מי, לגשם. אני יוצא מזה בקיצור. כעניין לוחות ראשונות, c'était la simplicité, de nous donner la Torah שבעל פה, en façon claire, net, tranchée. Et l'עניין הלוחות השניות, c'est juste l'opposé. De nous compliquer la vie au maximum, mais dans le but que cette fatigue de l'étude va nous aider justement à se purifier, à devenir nous-mêmes quoi? Sifrei Torah. Sifrei Torah sur Baal Pé. Alors Sifrei Torah. Je voulais le système de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est trois Shemirtav, c'est marqué dans le Chumash. Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Ve'ed, on le dit à voix basse, entre les deux, c'est pas marqué dans le Chumash. C'est la miniature de quoi? De Torah Shem Baal Peh. Système angélique. Normalement, la Torah Shem Baal Peh est censée de donner aux anges. Ce sont les anges qui ont des corps qui n'est pas un corps. Malachi Asheret En Laim Erva, il ne mange pas. Il ne boit pas. Leur corps est un corps sur lequel on peut dire voilà, on sait faire Torah. Malachi Asheret, ils disent Naase Venishma. L'écoute, en vérité, il appartient à qui? Au Malachi Asheret. Nous, on est Gashmi. Normalement, on devait avoir, comme Akadosh Baruch Hu l'a prévu au départ, Torah sur Baal Peh qui ne sera pas Baal Peh, là, elle sera aussi mise comment? Bichtav. Alors, je reviens maintenant au système Torah sur Baal Peh, c'est la nuit. Torah sur Bichtav, c'est les jours. En réalité, c'est facile à comprendre. Parce que la Torah sur Bichtav, elle est claire. Ce sont des écritures. Quand est-ce qu'on lit les écritures? Quand il fait jour. C'est facile. Je ouvre et je lis Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. La Torah sur Alpé, c'est juste le contraire. Quand on commence à étudier un sugya dans la Gemara, on est où? On est dans le noir. On est dans l'obscurité totale. Gemara Mifureshet, Sanhedrin Chav Dalet, Bamachshakim Oshivani, Zu Talmud Ashel Bavel. Talmud Bavli, c'est Machshakim, c'est Choshech. Omnam, après, il y a marqué, Ha'am Aroi Aluchim Bachoshech. Raou Orgadol, quand quelqu'un se fatigue pour l'étude de la Torah sur Baal Peh, il aura plus tard quoi? Orgadol. Ça c'est le Karmehod de Moshe Rabbeinu, qui Karan Orpanav. C'est la tête de Moshe Rabbeinu qui est devenue Sefer Torah sur Baal Peh. Et c'est grâce à ça qu'il y avait après la lumière. Bamarcha qui Moshivan, il est en mouda chez le Bavel, à Kolmeboulbal, tout est mélangé, tout est perturbé. Et ensuite, il y a quoi? Ah, Maouchim Bachosher, ceux qui ont le courage de marcher, diront toute la nuit. D'accord? Alors, Kola Osek Batora Balaïla, il y a marqué, Akados Baruch Hu Moshech Alafshut Chut Shel Chesed,
D'ailleurs. Mon rabbin m'a marqué. אף על פי שמצווה ללמוד תורה ביום ובלילה, אין אדם קונה רוב חוכמתו אלא בלילה. פרק ג' הלכות תלמוד תורה. עיקר קניין התורה לאקוויזיציון של התורה היא לפי תלנוי. למה? פסקי לנוי זה זמן לימוד תורה שבעל פה. ולנוי זה לסיסטם דה לימוד תורה שבעל פה, כי זה סיסטם אובסקור. כי זה סיסטם דון לקהל, on se trouve dans le noir. Et on doit se chercher son chemin. On doit retrouver la lumière. Et si on ne retrouve pas la lumière, on est très mal. Mais après chaque nuit, il y a le matin qu'il arrive au Hashem. Ou va Hashem, je vais Zarach Hashem. Aval Mishé Rotsé, l'iknot Behemet Kitra Shel Torah, le courant de la Torah, il doit être capable aussi d'étudier quoi la nuit. Celui qui pense qu'il deviendra Talmud Chacham, sans se fatiguer la nuit, il se trompe. C'est ce qui a marqué dans le Rambam. Il pourrait être un bon juif sans cela, mais il n'y a pas de kitra sur le Torah. Il n'y a pas de rov chokhmato et la balayla. Si il veut l'escote le kitra sur le Torah, il faut l'aïla. Maintenant, quand on regarde le livre Chazal Katou, Shlosha Ktarim, il y a trois couronnes. Keter Torah, Keter Kiuna et Keter Malchut. En réalité, les trois Ktarim, disent Chachamim, ils sont tous importants. Le plus important, c'est Keter Torah, parce qu'il y a les Mounach, et Kol Arotze Litol, Yavov Litol. D'après les choses qu'on a parlé, il a ajouté deux points maintenant. Une, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël avant Matan Torah, « Vatem Tiyuli, Mamlechet Kohanim, Egoi Kadosh ». Il est méforage ici dans le pasuk d'Ivre Chazal Aïdou. Batem Tioli Mamlechet, on parle de Keter Malchut. Kohanim, on parle de Keter Keuna. Vegoy Kadosh, Kadosh, je dis bien, c'est Keter Torah. Lama. De même qu'on sait qu'un roi, il devient roi grâce au fait qu'on lui a fait quoi? Louen. Et une fois qu'il est Navi, il va faire le Meshicha au Melech. Il y a quelque chose qui se passe chez lui, qu'il n'est plus un être humain ordinaire. Il est autre. Il est Melech. Et de même qui compte un Kohen Gadol, il est nommé Kohen Gadol, c'est ou bien Meshicha Mekadashto, ou bien Avodato Mechanachto. Mais maintenant, il s'appelle Kohen Gadol. Il n'est même pas Kohen, il est Kohen Gadol. C'est une autre personne. C'est quelqu'un d'autre. De même, il faut savoir que quand quelqu'un il est amel ba Torah, il devient lui-même quoi en Sefer Torah, et il est goy kadosh, il est heftsa de kdusha. Et voici, quiconque on cherche, on trouve dans la Sugya des Yevamot, que tout ce qu'il est arayot, il est l'opposé de cela. Parce que la Mishnah, elle appelle Issur Kdusha. Et Issur Mitzvah, et Issur Kdusha. En tout cas, tous les deux systèmes des Arayot, ils sont l'opposé de Kdusha ta Torah. Et c'est pas pour rien, qu'on trouve dans la Torah, quand on parle des systèmes de débauche, les titres Kadesh ve Kdeisha. Lotie Kdeisha. Et c'est l'opposé de quoi? C'est l'opposé de la Kdusha. L'opposé de la Torah. Parce que en marchevet arayot mitgaberet, elle a belev panoui mina chokma, dit le Rambam. Ou belev male arayot, en marchevet a Torah mitgaberet, comme les deux sont l'opposé. Et donc, quand la tête doit être un cerveau dans lequel on stocke d'ivrei Torah shebalpé, pour devenir kadosh bekdushat sefer Torah shebalpé, alors cette sefer Torah shebalpé doit être propre. Est vidé de tout ce qu'il est l'opposé dans le sens de Kadesh ou Kdesha. Et c'est comme ça qu'il en arrive à devenir Goy, Kadosh, être métamorphosé, être plus le même comme il était avant. Ça, c'est Mishtomé aussi. On a parlé plusieurs fois de l'enseignement de Chachamim, Shlomo, Tiot le Moshe.
qui, quand Shlomo HaMelech, il voulait arriver à amener Torah sur Baal-Pé, il a décrété quoi? Le système des Shniyot, les Arayot. C'était Kfifa She'en La Oznaim, Oznaim la Shon Ozen, Shmiya Ozen Shomat, et Shlomo le Moshe, il a fait de ça quoi? Ozen Shomat. Tosfot, il a dit, c'était après le Bat Kol. Bat Kol, c'est justement la deuxième édition. Bat Kol, c'est la voix, c'est la fille des voix. Bat Kol. Oui, c'est la deuxième voix, c'est l'écho. L'écho, c'est quoi? C'est Prinat Luchot Shniyot, à côté de quoi? À côté de Luchot Rishonot. Quand Shlomo HaMelech, il a écouté le premier, il a écouté ensuite quoi? Le deuxième. Et là, il a compris qu'il faut mettre un système qui s'appelle Shniyot L'Arayot. Et à la Deise Izen, il a mis en place le système de Torah sur Baal Pé. La Kfifa y a cherché à vos mains. On a tous des oreilles. On sait ce qu'il faut faire. Il faut s'éloigner au maximum de quoi? De Arayot, pour se consacrer au maximum à l'étude de la Torah sur Baal Pé et de devenir Sifrei Torah. Ou bien, je dirais, de devenir Gavra Rabba. Tout ce que Rabbi Shmulevitch a toujours cité, donc tout le monde a son argument. Derech hu beolech l'ilmod, she na'asa adam gadol. Ça dit tout ce fait. Soit il est max chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, vous savez, son beau-père, il a fait un sort de vœu, de serment, qui va pas hériter quelque chose de lui. Lama, parce qu'il était berger, il est fâché contre sa fille qu'elle s'est mariée avec lui. Après, Rabbi Akiva, il est devenu Rabbi Akiva. Et après, il est venu, et le beau-père, il ne lui reconnaît pas du tout, et il vient lui voir, et il lui dit, c'est quoi ça? J'ai fait Neder, je vais faire la Torah Nederim. Quel était ton Neder? Il lui raconte l'histoire. Rabbi Akiva a dit, si tu reçus qui ton gendre, le berger, il va devenir connaisseur de Torah, tu aurais fait, et certainement pas. Et si tu aurais su que ton gendre va devenir un grand Tantraha, il dit Bekal Lachomer. Et si ton gendre deviendra quelqu'un comme moi qui a 24 000 élèves, et il regarde, il dit, mais vous rigolez. Et Rabbi Akiva, donc ton aider, il est moutard. Lama, c'est Peter. Demande Tosfot, mais il y a un principe qu'il dit, un potrim benolad. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un pétard de quelque chose qui est imprévu. Pétard, ça veut dire qu'il y a une erreur à la base. Qui compte la personne, il a fait le vœu, il s'est trompé. Mais si, il ne s'est pas trompé. Tosfot, il répond, que Derech hu beolech l'ilmod she na'asa adam gadol. Si quelqu'un se met sérieusement à l'armée, il deviendra adam gadol. C'est prévu, c'est pas l'imprévu. C'est le prévu. C'est naturel. Rabotai, il est tard. Il y a un peu de ce que j'ai dit. Il y a plus de ce que j'ai dit avant vous. Il y a ici. Les deux alechem, c'est Torah de l'Echta et Torah de Baal-Pé. Les deux kvasim, c'est Torah de l'Echta et Torah de Baal-Pé. Tnufa, dit le Tzvi la Tzadik, c'est Tnupé. D'ailleurs, donnez votre bouche, parce que c'est ça qui nous on peut donner. La Torah elle-même nous a été donnée, la Torah de l'Echta. Mais ça qui nous on a donné, c'est Tnupé. Nous, c'est aussi une version de Tani, Shoné, Tania, Tanoura Banam. Donc, ça c'est le Tnupé, et ça c'est le Ikara Avoda de la fête de Shavuot, c'est de faire ce lien entre Torah de l'Echta et Torah de Baal-Pé. Il y a le tikkun del Shavuot qui était fait par les Kadmonim. Vous trouverez là-bas qu'il y a des passages de Torah sur Bechtav et des passages de Torah sur Baal Peh. Quelque chose qui est bizarre a priori. C'est exceptionnel à la nuit des Shavuot. Les Israélites dormaient les premières soirs des Shavuot, vous vous rappelez? Pourquoi ils dormaient? Ils pouvaient dormir. Parce que d'après les projets, la Torah sur Baal Peh pour eux n'a pas existé. Pour eux, la Torah sur Baal Peh était quoi? Torah sur Bechtav. En Laila. Si en Laila, on peut dormir. On n'a pas de travail. Ça couche beaucoup qui va le réveiller. Tout est mis dans la bouche. Qui pioutait. Donc c'est normal qu'ils dormaient. Pourquoi ils ne vont pas dormir? Mais nous, on est déjà après la deuxième édition. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester réveillé toute la nuit. Aliyah Bedomer Aramba Machad Milelotov Bejina.
Celui qui va être zoché de Kitra shel Torah, il ne faut pas qu'il perde ses nuits dans son œuvre. C'est une perte. J'appelle ça le Rambam. Surtout, il ne faut pas perdre cette nuit dans laquelle on peut faire le chibour d'Arbaïm Yom et Arbaïm Laila. Yachol liyot, ça c'est le Omekatam d'Agdemut et de Yatsiv Pitgan. On a demandé qu'est-ce que c'est qu'un minag bizarre de placer des piyutim en araméen et pendant la kriya et pendant l'aftar. Yom Tov Rishon, Yom Tov Shini, Yom Tov Rishon kriya, Yom Tov Shini aftara, et encore, d'après certains minagim, en milieu, avant qu'on a lu encore pendant la lecture. Terutzile, les deux piyutim sont en araméen, parce que l'araméen c'est la brina de Torah Shebalpé. Et on a cherché à manifester avec ça qui Shavuot, c'est le Yom Tov dans lequel on fait les coopérations entre Torah Shebichtav et Torah Shebalpé, et Torah Shebalpé dans sa façon la plus compliquée, parce que l'Agdamut et l'Atsif Pitkan, il faut être un Tamitrochen pour les comprendre. Et on les place d'Avka pendant le moment de la Kriya et pendant le moment de l'Aftara. Rabbi Yaakov aime une savoir qui crouche, a dit le Shara Tzion, et nous chinamit. Alors le bail, c'est le minag, il existe. Et le minag, il existe parce qu'il est là pour nous dire cela. Pour nous dire que justement, il faut faire ce travail de tnoufa, de tnoupé. Et si on ne fait pas le travail de tnoufa et de tnoupé, même si on a mangé des gâteaux au fromage, kishir, chazenich, on n'a rien à faire avec Matan Torah. Mais vraiment rien à faire. Et tous les laitages et des miels du monde, ils ne peuvent pas remplacer le miel d'un daf de Gemara qu'il a été travaillé bien comme il faut. Kadosh Baruch Hu yiftach libeinu betorato, et surtout yassim libeinu avato veivato, et qu'on va pouvoir faire les tfilot et les limoud de Shavuot bien comme il faut, parce qu'il faut savoir que pour la Torah, on a besoin aussi les tfilah. Rambam le dit dans Sefer HaMitzvot, le ovdo lechol evavchem, marqué dans les Sifri, zu Torah, zu tfilah. Ça c'est le ovdo lechol evavchem. Zu Torah, zu Tfila. Maya se Adam vechkam di la Gemara, yitpalel le mi shachokhma shelo. Quand quelqu'un arrive devenir chacham, il n'a pas le choix, il doit prier. On ne peut pas devenir Talmid Chacham si on ne prie pas. Quand on regarde les textes de l'Amida, de tous les jours, on les voit. Après les trois premiers brachot qui sont suivis Rosh Makom, on commence. Atachonen la dame d'Aat, on avait de nos bina. On parle de quoi? Atachonen. D'abord les Daat. Daat, c'est la coopération entre Chokhma et Bina. Qui signifie le Torah Shebichtav et Torah Shebalpé, qui s'arrive au Chibour, et Adam Yadda al Travaïsto. Ensuite, on dit, Ashiveinu avinu le Torah Techa. Et Karveinu Malkeinu l'Avodatecha. Parce que quand on revient vers la Torah, c'est là la vraie Avoda. C'est l'Avoda dans le sens le plus pashut. C'est la fatigue. C'est la mal. Mais là, on se rapproche de nouveau vers la Kadosh Baruch Hu. Vous savez que j'ai entendu de Amir, qui m'a dit que le Buskrov lui a dit, je crois que c'était déjà imprimé, mais je qu'il est Netziv. Et Vologine, il appellerait tous les jours, quand il a fait la tfila de Shacharit, à Varaba, à la Tolam, dans Mishani. Chaque fois quand il est arrivé au mauvais temps, Belibeinu Bina, Leavinu, Leaski, Lishma, Lelmod, Lelamed, il se mit à pleurer. Tous les jours, toute sa vie. C'est comme ça qu'on devient l'Enetzi. C'est comme ça qu'on devient le métier. Quand on pleure tous les jours, quand on dit le thème de l'Ebeinu Bina, la vie nous l'ascule. Parce qu'on sent que c'est vraiment une question de vie et de mort. Et si on veut arrêter le pshat dans un rachis ou dans un tusfot, il faut se mettre à pleurer. Il n'y a rien à faire. Thème de l'Ebeinu Bina, la vie nous l'ascule. On ne peut pas demander le thème de Mocheinu Bina. Mocheinu Bina. Personne, il a
le terroir de dire je suis trop bête pour ça, c'est pas pour moi. Un casé d'avant. Seule chose qui manque, c'est quoi? C'est le beynou. Le temps le beynou bina la vinolaski. Qui notre cœur va se réjouir et il aura l'envie. Et quand le cœur il aura l'envie, la tête il aura l'envie tout seul, automatiquement.